Je pense qu'en fait, ce qui m'interpelle, c'est justement le fait de faire. C'est-à-dire qu'à la différence de... La difficulté, c'est de faire. Parce que c'est là qu'elle est la difficulté au quotidien. C'est-à-dire, on peut très bien penser des choses chouettes sur les autres, sur qu'est-ce qui serait bien de faire et comment il faudrait faire, et faire des débats, et se rencontrer, et discuter. Mais le fait de faire, c'est encore autre chose, parce que c'est là qu'on rentre vraiment dans des difficultés qu'il faut surmonter au jour le jour. Et là, je trouve qu'il faut avoir une sacrée énergie. Ton prénom? Ramzi. Ramzi, Ramzi, masculin. Date de naissance? 13-11-74. Sois bien là à 9h. Hein. Hé, comment va? Alors, Cédric, tu n'étais pas là hier. Je n'étais pas là hier. Youssef? Darius? Il y a Ali ici au premier étage et Ali au deuxième. Comme tu veux, tu peux te mettre là. Par exemple, dans le film, j'emploie énormément la répétition quand ils font et sur des petits détails sur ce que les gens font. Je veux montrer en fait aussi que cette répétition justement fait partie de la vie et que et toute la difficulté est là et dans l'énergie qu'on met et qu'on doit continuer à mettre. Salut! Jeudi et vendredi, c'est la distribution des colis alimentaires. Pour le moment, on tourne sur 80 familles par mois. Mais à l'ensemble, nous sommes dans les 350 familles pour les tout. L'idée, en tout cas, c'est effectivement de pouvoir faire réagir et effectivement de réagir par rapport à des choses concrètes. C'est-à-dire de voir que c'est pas simplement, on ne parle pas de chiffres, on ne parle pas d'idées en tant que telles, mais de voir concrètement que le problème est là et qu'il est latent et qu'il n'est pas du tout abstrait. Et tout ce que j'espère, c'est qu'effectivement, ça fasse débat et que ça fasse aussi prendre conscience à certaines personnes que ben, ce qui se passe à côté d'eux est assez interpellant et que ça puisse faire bouger aussi un peu les consciences par rapport à ça. En tout cas, le regard qu'on porte sur l'autre et à partir de là, en espérant que ça aille plus loin. Près de la Louvière, donc du couscous à donner, poisson, des légumes, des pois, des carottes, du dentifrice même. Waouh, c'est cool. Et là, c'est une dame de Charleroi qui donne tout un sac avec des nounours. Ouais. Rien. Ce 4-5 ans, ça. Ouais. Malgré tout, je trouve que c'est quand même magnifique d'avoir des personnes qui se bougent et qui y vont, quoi. Alors qu'ils y vont en réfléchissant. Parce qu'effectivement, ce n'est pas simplement le fait d'y aller, c'est le fait aussi d'y aller avec aussi derrière soi une envie plus qui concerne pas seulement ce qui se passe autour de lui, mais à un niveau plus général, quoi. Alors oui, ça c'est magnifique. Les filles-là ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.